Good morgen, Aleïd et Nessus, aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak ben David ben Forto Mazal Fitna, Dvora bat Esther et Allegria bat Sol ben Soussan, le Bet Vanish. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechad Nedarim, Perek Bet Mishnah Gimel. Yesh Neder betoch Neder ve Enjoua betoch Shvoua Keitzad. Amar Areni Nazir im Ochal. Areni Nazir im Ochal ve Achal. Chayav al kol Achat ve Achat. Shvoua shelo ochal, shvoua shelo ochal, ve'achal, eno chayav ela achat. On avait déjà commencé à comparer les nedarim et les shvuot. Un neder, ça implique que je prends sur moi de... Je m'interdis une chose, en général. On va avoir un cas de neder un peu particulier, mais ce sera le même principe. Donc je m'interdis une chose, et shvoua, c'est plutôt en rapport à l'action. Je prend sur moi de faire une chose ou de ne pas faire. Ouais. Neder bechevtsa shvua begavra. C'est une phrase connue qu'on dit fréquemment quand on étudie. Les neder, on interdit l'objet. Le chevtsa. Neder, c'est interdit issur chevtsa. Et la joie, c'est issur gavra. Je m'interdis sur moi une action. D'accord? Comme on avait déjà commencé à évoquer plusieurs différences sur la manière de prononcer un neder et la manière de prononcer une joie. Maintenant, la Mishnah va comparer sur un autre plan. Que la force des nedarim par rapport à la force de la shvoua, du serment. En nous disant que yesh neder betoch neder, ça existe de prononcer un neder dans un neder, alors que en shvoua betoch shvoua, il n'y aura pas de serment sur un autre serment. Ça veut dire quoi? Eh bien, on n'a qu'à traduire directement, vous allez voir, sauf qu'on va prendre un cas de neder un peu particulier, on va parler d'un cas de neder de nazir. Mais c'est le même principe. Amar. Areni nazir imochal. Je serai nazir si je mange. Areni nazir imochal. Je serai nazir sur moi si je mange. Et ensuite, ve'achal, il a mangé. Chayav alkol achat ve'achat. Il devra accomplir chacun de ses deux vœux de nazir. Là, on parle du nazir, c'est encore une forme de vœu particulière. C'est que je prends sur moi que je peux décider de devenir un nazir. Quelqu'un qui dit je deviens nazir, c'est pendant 30 jours, ça l'implique. Il peut prendre une durée plus longue s'il veut, jamais moins que ça. Mais il peut prendre une nazirute plus longue, de 2 ans, de 3 ans, de 50 ans s'il veut. Et dans ce cas-là, au bout de 50 ans, il complétera sa nazirute. Ça implique de quoi être nazir? Ça implique que pendant qu'il est lui-même nazir, il ne peut plus se couper les cheveux. Il ne peut pas devenir impur pour les morts. Et il n'a pas le droit de boire de vin, et tout ce qui va de soi. Quand il finit sa nazirute, alors... Une fois qu'il finit sa nézirut, il devra apporter un des corbanotes de nézirut. Ok? S'il prend, entre parenthèses, s'il prend une nézirut de 20 ans, et qu'après 19 ans et 7 mois, il devient impur pour un mort, il devra tout recommencer depuis le début, il est reparti pour 20 ans. Pour le moment, on reste dans notre Mishnah. Notre but est de nous enseigner que sache qu'il y a, tu peux prendre un vœu sur toi, même si tu es déjà engagé par un vœu, et dans ce cas-là, tu accompliras les deux vœux. Soit, j'étais déjà nazir, et je décide de devenir nazir, alors que je suis déjà nazir, et bien je suis imposé de faire deux naziroutes. Soit, je finis la première naziroute, j'amène le corban, et après, je dois prendre sur moi de faire une deuxième naziroute, parce que j'ai pris sur moi deux naziroutes. Plus précisément, la Mishnah me dit, elle me présente sur deux manières, je me suis promis que si jamais, imaginez, j'ai arrêté de fumer ces derniers temps, et je me dis, si jamais je fume aujourd'hui, je prends sur moi de devenir un nazir. Et 10 minutes après, je repense de nouveau, je me dis, oh là là, si je fume aujourd'hui, je prends sur moi un vœu de nazirut. Et après, je craque, j'allume ma cigarette, et ben je devrais être deux fois nazir, parce que j'ai prononcé deux fois le vœu de nazirut. D'accord? Alors que si je le fais la même chose en jurant, je dis, si jamais je jure, je jure que si je vais fumer ma cigarette aujourd'hui, je m'interdis de manger des complexes. Et après, je rejure de nouveau. Je dis, si jamais je vais fumer une cigarette, je jure que je ne mangerai pas de complexes aujourd'hui. Et finalement, je craque et je fume ma cigarette, alors je serai imposé. Je n'aurai pas le droit de transgresser, de manger des complexes. Mais qu'à cause d'un seul serment que j'ai prononcé, et pas à cause de deux. Ça implique quoi? Alors on explique un petit peu mieux d'abord. Je veux d'abord bien les situer tous les deux. D'accord, c'est les deux cas. Je ne sais pas si j'ai traduit tout le monde, en fait, je reprends un petit peu. Amar Arena Nazir Mochal, Arena Nazir Mochal, j'ai dit que je prends sur moi une naziroute si je deviens, si je mange, et je prends sur moi une naziroute si je mange. Ve'achal, et après il a mangé.
Chayav al kol achat v'achat, il devra être préservé chacun de ses vœux de Nézirut. Comme on a dit, il finit 30 jours, il apporte ses korbanot, puis après il prend sur lui une deuxième Nézirut. Tandis que s'il dit « Shvua shalo ochal », je jure que je ne vais pas manger. « Shvua shalo ochal », je jure que je ne vais pas manger. S'il veut le faire avec conditions comme c'était le cas précédent par exemple, si jamais je vais fumer une cigarette, alors je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui. Et si je vais même fumer une cigarette, je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui. Et ensuite, « Ve'achal » et qu'il mange. « Et non chayav el achat » il ne sera, il ne transgressera qu'une seule des deux shvuot, c'est-à-dire qu'en fait, quand on transgresse un interdit de shvua, on est passible de Malkot, on est selon les Shvuot, aussi un chiouf de Korban ou les Beyoret, si on était Beshogeg, un Shogeg un peu spécial, on avait pris ça dans le début de Maseret Shvuot. Et donc, si jamais il a prononcé comme ça deux Shvuot sur une même chose, il a imposé deux Malkot que sur un seul. Il faut savoir quand même qu'il y a quand même un interdit double sur ce qu'il a, et même pire que ça. Imaginez, vous savez que c'est possible après qu'une fois qu'on a juré, on peut percevoir le chacham, et le chacham, il annule le neder, ou la joua. Je vais voir le chacham, il annule une joua, la deuxième, elle rentre en. Elle s'applique. Il faudra nécessairement annuler toutes les jouas qu'on a fait. La deuxième, la gemara, elle compare ça comme si elle plane dans l'air, parce qu'il y a la première qui est déjà occupée, qui occupe la place d'interdire la chose. Dès que tu supprimes la première, la deuxième tombe dessus. Et donc tu es imposé, tu dois faire deux fois la tarat, je vous haute pour annuler la joua. En tout cas. Ce qui m'intéresse, donc, c'est d'expliquer bien que, une fois que tu es interdit par un interdit joua, tu ne peux plus jurer sur la même chose, alors que quand tu es interdit par une nézirut, tu peux prendre sur une deuxième nézirut, et tu accompliras la deuxième nézirut plus tard. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de hatzlacha, comme tout cela.